Est-ce qu'on peut commencer ou bien est-ce qu'on attend les autres? Alors on va commencer. Alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie du premier TP et la dernière. Donc on va voir les dernières notions qui nous restent concernant les VLAN. Donc pour cela il faudra refaire une petite topologie qui contient un réseau local physique à découper en plusieurs réseaux logiques. On va opter pour trois réseaux logiques. Alors, on va faire en sorte qu'il y ait trois switches, dont chaque switch est relié à deux équipements terminaux. Voilà. Alors, vous arrivez tout savoir. Voilà. Alors, on va configurer les PC d'abord. On va opter pour deux VLAN. Donc, PC 0, PC 2 et PC 4 appartiennent au VLAN 2. Et les trois autres PC appartiennent au VLAN numéro 3, par exemple. Alors, on va d'abord configurer les adresses IP. Vu qu'on a deux VLAN, ça veut dire qu'on a deux réseaux logiques. Alors, on va opter pour 192.168.1.1. Pour PC2, ça sera 1.2. Et pour PC5, pardon, c'est 1.3. Voilà. Pour les autres, ça sera le réseau 2.0 slash 24. Donc ça sera 2.1. Ici 2.2. Et le dernier 2.3. Voilà. Donc pour la première étape, on a configuré les équipements terminaux. Maintenant, on va créer les VLAN au niveau des commutateurs. Donc on va opter pour S0 comme étant un serveur VTP et les deux autres seront des clients VTP qui vont recevoir le fichier VLAN.DAT. Donc pour activer ce mode, il faut aller en mode de configuration du terminal, VTP mode serveur, VTP domain, on donne un nom de domaine, par exemple SSI, et VTP password, on va donner G12. Exit, c'est bon. Maintenant, on va configurer les clients VTP de la même manière. Alors, VTP mode client, même nom de domaine et même mot de passe. Même chose pour le troisième switch qui est aussi un client qui va recevoir la config. Alors, VTP mode client, VTP domain SSI, VTP password G12. C'est bon. Donc on va créer les VLAN au niveau de S0. Alors, il suffit juste d'aller au mode de configuration du terminal et taper la commande VLAN suivie de l'ID. On a dit que le VLAN 1 plus les VLAN 1002 jusqu'à
1005 sont réservés, donc on va commencer par le VLAN 2 par exemple. Le nom c'est optionnel, mais on peut le mettre néanmoins. Donc on va le nommer VLAN 1 comme ceci. On va le nommer VLAN 2. Là. Et VLAN numéro 3. VLAN 3. Voilà, maintenant. La création des VLAN au niveau des autres commutateurs est propagée grâce au protocole VTP qui a été configuré. Maintenant, on va configurer les interfaces au niveau du commutateur, celles qui sont en mode accès et celles qui sont en mode agrégation. Donc, PC0 appartient à VLAN 2 veut dire que l'interface 0/1 est en mode accès et appartient au VLAN numéro 2. Donc, on accède à cette interface. Switch port mode access et switch port access VLAN 2. Donc on le fait comme ça de manière en ligne de commande, ou bien on peut aussi le faire au niveau de l'interface graphique. Donc il faut aller par exemple comme pour le PC1 qui va appartenir au VLAN numéro 3, on clique sur l'interface en question, on peut ici changer le mode et opter pour un des VLAN qui existe au niveau du commutateur. Donc, si on clique ici, c'est comme si on a tapé la commande switch port access VLAN 3. Voilà. Pour l'autre interface ici, qui est une liaison entre les deux switches, ça sera un port agrégé. Donc, interface fast Ethernet 0/4, switch port mode chunk. Voilà. Comme l'a dit aussi votre camarade la fois pas. Non. Et voilà, le 4 plus le 3 aussi. 0/3. Switch port mode. C'est bon. Maintenant, ici, pas la peine aussi de les configurer. On peut répéter la commande, mais sinon, c'est pas la peine. Parce que dès qu'on configure une seule interface, l'autre interface en face, c'est supposé aussi être en mode agrégation. Donc, on va uniquement configurer les interfaces 0/1 et /2. /1 va appartenir au VLAN 2. Et la 3, et plutôt la 2 appartient au VLAN 3. Voilà. Même chose au niveau de ce commutateur. Même la commande de switch port mode access, on peut ne pas la faire parce que par défaut, tous les ports ils sont configurés en mode accès. Access VLAN 2. Donc, pour l'instant, on a configuré uniquement les VLAN plus les interfaces. On peut vérifier que la communication intra-VLAN, elle marche, comme ceci. Mais la connexion inter-VLAN ne marche pas. Voilà, ici, c'est le VLAN 3 ensemble. Voilà, donc ça marche. Maintenant, comme j'ai dit la fois passée, donc, si on arrête la configuration à ce stade, il n'y aurait pas une communication possible entre les différents VLAN. C'est vrai que l'avantage des VLAN, c'est que ça permet d'isoler les équipements entre eux et d'avoir une certaine découpe logique au niveau du réseau, mais il y a parfois besoin qu'il y ait une communication entre ces VLAN. Et donc pour qu'il y ait cette communication, on va opter pour ce qu'on appelle le routage inter-VLAN. Donc le routage inter-VLAN, c'est une configuration qui va permettre que tous les VLAN au niveau d'un réseau local physique puissent communiquer entre eux. Donc, puisque vous avez déjà fait ce TP en S1, donc, à votre avis, comment
Quelles sont les méthodes que vous connaissez pour pouvoir configurer ce routage intervalle? Est-ce que vous connaissez, quel est le nombre de méthodes que vous connaissez? Bon, ça c'est la méthode la plus optimale. Mais il y a une autre méthode, une autre façon de faire. Puisqu'on parle de routage intervalle, ça veut dire qu'il y aura un équipement de niveau 3, d'interconnexion de niveau 3 qui sera utilisé. C'est un routeur, oui, mais il y a deux façons de configurer cela. Donc, oui, mais il y a une autre. Alors, si on réfléchit de manière logique, sans connaître le découpage d'une interface physique en plusieurs, bon, on va insérer un routeur. Et qu'est-ce qu'on va, on va, quelle sera l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est que chaque interface du routeur va appartenir à un VLAN. Ça veut dire que on aura besoin d'interfaces au niveau du routeur que de VLAN au niveau de la topologie. Puisqu'on a deux VLAN au niveau de notre topologie, donc on aura besoin de deux interfaces. Donc on va relier la première et la deuxième. Donc est-ce que vous avez vu ce mode de configuration en TP? Alors, pour que ça marche dans ce cas-là, donc il faudrait configurer les interfaces une par une, donc comme vous avez l'habitude de faire. Donc on peut le faire pour être rapide de manière graphique. Donc la 0/0 par exemple, elle sera dédiée au VLAN numéro 2. Donc elle aura pour adresse une adresse du réseau qui a été donnée au VLAN 2, donc c'est le 1.0. On va lui donner 192.168.1.10 par exemple. On va l'allumer bien sûr. Et l'autre, on va lui donner l'adresse 2.10, celle du VLAN 3. Et on l'allume. C'est tout ce qu'on fait. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est qu'au niveau du commutateur où le routeur est branché, on va configurer ces deux ports-là en mode accès. Bon. Non, madame. Oui. Répétez, je ne vous ai pas bien saisi. Alors, première étape, j'ai créé les VLAN, j'ai fait en sorte qu'il y ait une propagation de configuration des VLAN, etc. Et puis on a vu que la communication entre les différents VLAN ne peut pas se faire. J'ai dit qu'il faudrait configurer le routage inter-VLAN et j'ai dit qu'il y avait deux méthodes pour faire ceci. Donc vous m'avez dit de découper une interface du routeur en plusieurs interfaces logiques, ça c'est vrai. Mais il y a aussi une autre méthode qui est plus simple à mettre en œuvre. Et je suis en train de l'expliquer. L'idée c'est quoi? C'est de relier ce routeur à un des commutateurs au niveau de la topologie et opter pour plusieurs interfaces physiques. C'est-à-dire qu'il y aura autant d'interfaces physiques sollicitées au niveau du routeur que de VLAN présents. Puisqu'on a deux VLAN, donc on a pris deux interfaces au niveau du routeur. La 0/0 et la 0/1. Et j'ai configuré la 0/0, je lui ai attribué une adresse du VLAN 2. Et la 0/1, je lui ai attribué une adresse du VLAN numéro 3. Et j'ai dit qu'au niveau de ce commutateur où est relié le routeur, il faut penser à configurer les deux interfaces qui sont reliées au routeur en mode accès. En mode accès veut dire que chaque interface va appartenir à un VLAN. Par exemple, dans l'autre cas, attendez, ça c'est la 6, donc 0/5 appartient au VLAN 2 et 0/6 appartient au VLAN 3. 0/5, elle va appartenir au VLAN numéro 2. Puis l'autre interface, la 0/6, appartient au VLAN numéro 3. Voilà. Donc si on fait ça, ça va marcher. Sauf que quel est l'inconvénient de cette méthode?
Voilà, maintenant, ce qui manque au niveau de la configuration, c'est bien évidemment les passerelles par défaut. Puisqu'on essaye de joindre un autre VLAN, un autre réseau local logique, il faut sortir du réseau local logique dans lequel on est, et donc on doit configurer la passerelle par défaut qui est l'interface du routeur, l'adresse de l'interface du routeur en question. Donc ça sera 1.10 pour les PC du VLAN 2 et 2.10 pour les PC du VLAN numéro 3. Voilà, les premières tentatives, elles ne marchent pas parce qu'il y a les requêtes ARP qui interviennent, etc. Mais sinon, regardez, j'ai pu pinger un PC d'un autre VLAN. Ici, j'opte pour le mode simulation. Regardez, PC 0 appartient à VLAN 2 et PC 1 appartient à VLAN 3. Puisqu'il appartient à un autre VLAN, donc on va envoyer la requête au routeur et le routeur va répondre via son autre interface. Madame, oui, s'il vous plaît. Si par exemple on a le 5 et le 6 et on a deux autres interfaces, le 7 et le 8, carrément un 4 VLAN, et on fait en place un deuxième routeur de la même manière et on veut que le 5 communique avec le 8, on peut relier entre les deux routeurs encore une fois. Donc, si on a pas. Donc, on a 4 VLAN. Oui. Si par exemple, deux routeurs. Non, si on a 4 VLAN, il faut opter pour 4 interfaces au niveau du routeur. D'un seul. Mais si par exemple, le routeur n'a pas 4 Alors, s'il n'a pas, donc on met 2 au niveau d'un routeur et 2 au niveau d'un autre routeur, il faut aussi configurer là le routage entre les différents routeurs. Parce que les réseaux, là, ils deviennent distants. C'est tout. Ok, merci. Voilà. Donc, parmi les inconvénients de cette méthode, c'est que si on a plusieurs VLAN, si on a 10 VLAN, il faudrait avoir un routeur qui possède 10 interfaces. Et aussi, c'est une configuration qui est assez lourde en termes de configuration d'interface, en termes de câblage, etc. C'est pour ça qu'on opte pour un autre type de configuration. Donc, dans celle-là, les ports ici sont configurés en mode accès, où chaque port est configuré pour un VLAN en question. Si on opte pour la méthode où on a uniquement une seule interface au niveau du routeur, là, il faudrait que cette interface qui soit reliée au niveau du commutateur, elle soit configurée en mode agrégé. Voilà. Donc, on répète la config. Donc, F-Ethernet 0/5, elle ne fait plus partie du VLAN numéro 2, mais c'est plutôt une interface agrégée. Et on va mettre nos switch port access VLAN 2, bien 3. Voilà. Maintenant. Madame. Oui. Madame, je n'ai pas compris la dernière commande, nos switch port. Pourquoi? Parce qu'il était. On avait configuré avant switch port access VLAN 2. On parle de quel switch 5. Port 0.5. Oui, celle qui était reliée à une des interfaces du routeur précédent. On a mis en mode 3, ok. Oui, parce que Maléol, elle était en mode accès. Bon. C'est suffisant, non? Bon, Anna, je l'ai répété parce que quand j'ai mis trunk, ça a toujours gardé ici VLAN. Mais bon, je pense que c'est pas... C'est optionnel, parce que dès qu'on dit agrégé, c'est bon, ça veut dire qu'elle n'appartient à aucun VLAN. Okay.
Alors, maintenant, on a de l'interface physique qu'on a. On dit qu'on a un routeur qui possède uniquement une seule interface. C'est ça, son interface physique. Première étape, c'est de l'allumer. Alors, pour l'allumer, il suffit juste d'accéder à cette interface. Donc, interface fast Ethernet 0/0. Et on met la commande no shutdown uniquement. On l'allume. Voilà, elle vient d'être allumée. Maintenant, on va configurer des interfaces logiques qu'on appelle les sous-interfaces. Les sous-interfaces, elles ont pour nom, bon, interface fast Ethernet 0/, donc normalement il y a après un 0 qui est le numéro de l'interface, mais on va mettre 0. Par exemple 1. Ça veut dire qu'on va configurer la première sous-interface. Donc la commande à mettre en place, c'est d'affecter un VLAN au niveau de pour cette sous-interface. Donc configurer autant de sous-interfaces que de VLAN présents au niveau de la topologie. Donc on va taper la commande encapsulation .inq. .inq, c'est une norme concernant les ports agrégés. On va ici taper l'identifiant du VLAN en question. Donc dans notre cas, c'est le VLAN 2. Et puis on lui attribue une adresse IP. Donc ça sera l'adresse du VLAN 2.1.10 suivi du masque. Voilà. Même chose pour la deuxième sous-interface. Donc ça sera 0.2. Et on tape la commande encapsulation .inq3 et on lui donne une adresse IP. Dans l'autre cas, ça sera 2.10. Oui, elle n'est pas conseillée. Non, pas du tout. Quand on configure le routage inter-VLAN, c'est toujours de cette manière-là. Mais néanmoins, la première existe aussi. Si on a un routeur qui contient beaucoup d'interfaces et si on n'a pas beaucoup de VLAN à configurer. .inq2 et 3, donc le 2 ici, c'est l'identifiant du VLAN. Ça veut dire que la première sous-interface va véhiculer le trafic du VLAN 2. La deuxième sous-interface, celle du VLAN 3. Si on avait VLAN 4, VLAN 5, on aurait activé d'autres sous-interfaces. Et .inq, c'est une norme concernant les ports agrégés. Pourquoi ? Parce que le port en question ici, Fast Ethernet 0/5, est configuré en mode agrégé. Donc la différence entre les deux méthodes, c'est que la première, les interfaces qui sont reliées au commutateur, elles sont configurées en mode accès. Et ici, c'est configuré en mode agrégé. Ah, voilà. Et si par exemple on a voulu relier entre plusieurs VLAN avec un seul routeur, quoi sont deux VLAN ? Donc, par exemple, avec la même interface. J'ai pas compris. On fait sous interface par exemple 0/0.1.2.3.4.5 autant qu'on veut. Oui, autant qu'on veut, oui. Ah, ok. Ce sont des interfaces logiques. Physiquement parlant, elles n'existent pas. Maintenant, si on essaye le ping, normalement ça va marcher parce qu'on a configuré les passerelles. Attendez. On a bien configuré l'interface 0/5.
Sinon, on change une autre interface. On prend la 7. Madame. Oui. Faut configurer les tours. Non, mais c'est pas ici. Elles sont configurées. Non, genre défaut de gateway. Comment? Défaut de gateway au niveau du commutateur. Pas oui. Ah, ça c'est pour pouvoir administrer le l'équipement bulk. C'est pas une nécessité pour le routage, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Donc des fois même quand je teste la première méthode et je mets en place la deuxième, des fois que ça marche pas. Bon, je vais essayer sur un petit exemple. Voilà, je vais mettre uniquement un commutateur. Et un routeur.
On va essayer maintenant. Normalement, ça va marcher. Alors ça, c'est deux équipements du même VLAN. Voilà. Alors, si vous remarquez, si on regarde ce qu'on a fait, la première étape et ce qu'on vient de faire ici, c'est la même chose. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Donc. Madame. Oui. Quand j'avais essayé de faire ça, c'est le même problème que j'avais eu. Donc, j'attendais de vous voir faire pour un peu comprendre. Ça ne marchait pas. Oui, mais je ne sais pas. Je sais peut-être que parce qu'on a configuré le premier mode de routage. Et après, on a. Je pense que le problème, il est au niveau de l'interface agrégée. Mais ça n'a pas de sens. Parce que j'ai reconfiguré, j'ai carrément utilisé une autre interface. Mais regardez, j'ai suivi les mêmes étapes ici. Et ça marche. Donc, on va au routeur. Le routeur, il répond. Et puis, on a le reply ICMP. Mais ici, déjà, le message qui arrive au routeur, regardez, là, il y a une croix. Attendez. Ah, ça marche maintenant. Ah, ça marche, je sais pas. Ouais, ça marche. Voilà, donc, est-ce que vous avez compris la configuration à faire? Non, j'ai carrément supprimé le routeur. Alors, on a pu faire communiquer des différents VLAN entre eux. Maintenant, on va voir, donc on a terminé le TP normalement, on va juste voir quelques notions en plus concernant ce TP, parce que c'est aussi la dernière séance. Alors, il y a aussi, par exemple, on va parler du VLAN natif. Alors, on va opter pour, par exemple, la première topologie. Donc, un VLAN natif, c'est quoi? C'est un VLAN qui, par exemple, qui se configure au niveau des ports agrégés. Donc, comme ici, au niveau de S0, ça se configure au niveau du port 0/3, 0/4 et 0/5, donc ce n'est pas des ports d'accès. Le VLAN natif, quand on le configure au niveau d'un port agrégé, il va servir à quoi? Pourquoi on le configure? Donc, si on ne le configure pas, les trams qui traversent les ports agrégés, ce sont tous des ports qui sont, ce sont tous des trams qui sont tagués. Tagué veut dire qu'il y a l'ajout de l'étiquette au niveau de la trame Ethernet. Pour les trams qui ne sont pas tagués, elles ne pourront pas passer s'il n'y a pas la configuration du VLAN natif. Les trams qui ne sont pas tagués, par exemple, c'est les trams STP, c'est les trams de gestion au niveau du réseau. Et donc, pour qu'il y ait, par exemple, ce passage de ces trams au niveau des ports agrégés, il faudrait qu'il y ait VLAN natif qui soit configuré au niveau des deux interfaces ici. Par défaut, le VLAN natif au niveau des commutateurs en général, c'est le VLAN 1. Le VLAN par défaut, c'est aussi le VLAN natif qui est configuré. Mais par mesure de sécurité, il ne faudra jamais laisser toutes les configurations au niveau du VLAN 1. Donc, on va par exemple opter pour VLAN numéro 4. Donc, on va le créer ici au niveau du mode du switch serveur pour qu'il puisse le propager. VLAN 4. Ouais. Et le name, on va donner natif. Voilà. Alors, on a dit que le VLAN natif, on le configure au niveau des interfaces agrégées. Donc, ça sera au niveau de l'interface 0/3. Maintenant, c'est quoi en fait le VLAN natif? Il sert à faire transiter les trams qui ne sont pas étiquetés.
qui ne possèdent pas le tag. Les trams qui possèdent le tag, ce sont les trams que s'échangent par exemple les PC. Mais une tram de contrôle, SCP, CDP, etc. Donc vous voyez, quand vous activez par exemple le mode simulation, et quand vous cliquez sur suivant, vous avez des paquets qui sont en train d'être envoyés et reçus par les commutateurs. Regardez. Par exemple, les paquets de configuration. Oui, STP, CDP, etc. Okay. Voilà. Donc, pour qu'elles puissent aussi traverser les ports agrégés, parce qu'au niveau du port agrégé, il peut y avoir uniquement des trams qui sont étiquetés, parce qu'elles sont étiquetées au niveau du switch pour qu'elles puissent traverser ce tronçon-là. Pour qu'il y ait le passage de tram non étiqueté, il faudra configurer au niveau de ces interfaces un VLAN natif. Par défaut, qu'est-ce qui est configuré ici au niveau de cette interface et de cette interface? C'est VLAN 1. C'est pour ça que ça marche. Mais si, par exemple, on change ici et on va mettre au niveau de l'interface 0/3 un autre VLAN natif. On va par exemple opter pour le VLAN numéro 4 qu'on vient de créer. Donc la commande qui permet d'affecter à un port agrégé un VLAN natif, autre que le VLAN par défaut, c'est la commande switch port, bon, mode trunk, on va mettre trunk, native, VLAN, et l'idée du VLAN, donc on va mettre 4. Regardez ce qu'on a comme message. Spanning tree, block, PVID local. Un message STP a été bloqué au niveau de l'interface 0/3 en VLAN 4. Pourquoi? Parce que au niveau de cette interface-là, au niveau du second commutateur, on n'a pas configuré ce port agrégé pour qu'il puisse transporter les trams non étiquetés au niveau du nouveau VLAN natif. Donc pour qu'il y ait une communication normale, il faudrait que tous les ports ici possèdent le même VLAN natif. Donc par défaut ici, c'est toujours resté 1. Donc ici, je vais aussi configurer, faire la même config que j'ai fait au niveau du premier switch. Regardez, j'ai un message ici. Native VLAN mismatch discovered on fast Ethernet 0/3. Parce que Adam Azalo, il possède comme VLAN natif 1. Donc enable conf-t 0/3 et switch port trunk native VLAN 4. Donc on va attendre un peu, par exemple qu'il y ait un message. Déjà ici on a un nouveau message système qui nous dit que unblocking fast Ethernet 0/3 en VLAN 4. Port consisti restored. Donc maintenant, les trams qui ne sont pas tagués peuvent passer au niveau de ce tronçon. Donc voilà à quoi sert cette configuration-là. Donc si on ne fait rien, ce n'est pas un problème. Donc si on ne configure pas un VLAN natif au niveau de la topologie, ce n'est pas un problème. Parce que le VLAN natif en question, c'est le VLAN 1. Mais par mesure de sécurité et règles de bonne manière, il faudra le changer. Changer le VLAN natif qui est le VLAN 1, qui est le VLAN par défaut, en un autre, concret, VLAN 99, VLAN 4, c'est comme on veut. Voilà, donc est-ce que vous avez compris cette petite parenthèse? Madame Randor, on va aussi tenter la même chose avec notre port. Oui, tous les ports agrégés. Naya, okay. Naya, oh, même ici. Par exemple, on a le VLAN natif 4, comme l'autre, on peut lui donner n'importe quel VLAN. Non, 4, toujours. Ah! Oui. Ah ok, je vois. Donc c'est le même qui est... Le même VLAN natif pour tous les ports agrégés. Parce que par défaut, on a le GA1. Et quand il y a... Madame. Oui. Maintenant, si on change le VLAN natif avec les VLAN 4, alors les autres ports qui appartiennent au VLAN 1, maintenant, comment ils peuvent transiter? Justement, les VLAN 1, ils ne vont pas transiter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent transiter les autres ports du VLAN 1? Non, plutôt ils vont transiter, sauf que VLAN 1 n'est plus le VLAN natif par défaut. Et pourquoi ils peuvent transiter s'ils ne sont pas dans les VLAN natifs? Parce qu'ils ne sont pas taillés, bien sûr. J'ai créé un VLAN 4, que j'ai décidé qu'il soit le VLAN natif, et j'ai configuré au niveau de tous les ports agrégés, comme ici, que tout le trafic qui n'est pas tagué passe par le nouveau VLAN natif qui est le VLAN numéro 4. La condition qu'il doit y avoir au niveau de la topologie, c'est que par exemple, on a mes conches VLAN 1 comme, par défaut, et ici par exemple VLAN 4. Il faut qu'il y ait le même
identifiant VLAN natif. Sinon, comme vous avez vu, il y a l'apparition de ces messages système. Et dès qu'on a réglé le problème, il nous dit que maintenant, c'est plus bloqué. Il peut y avoir le message STP qui peut passer. Parce que message STP, c'est un message qui n'est pas tagué. Et donc, s'il y avait un autre VLAN natif ici qui est configuré, il ne pourra pas passer. Donc, il faudra faire la même configuration. La configuration, on l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que VLAN 1 soit le VLAN natif par mesure de sécurité. Mais si on le laissait, ça ne pose pas de problème. Si on garde le tout au niveau du VLAN 1, par exemple, même l'interface de gestion, si on la garde au niveau du VLAN 1, c'est une petite faille de sécurité. Parce que c'est un VLAN, le 1, c'est un VLAN qu'on ne peut pas configurer, parce qu'il est déjà par défaut. On préfère configurer un nouveau VLAN sur lequel on a le contrôle. Donc voilà pourquoi je vous ai parlé de ça. Déjà, le module, c'est sécurité réseau. Ici, c'est plus réseau. On s'attarde plus à mettre en place des mécanismes qui permettent de sécuriser au maximum la communication au niveau de la topologie. Et parmi cela, par exemple, désactiver les ports qui ne sont pas utilisés. C'est aussi une mesure de sécurité. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est quelque chose qu'il vaudrait faire. Par exemple, ici, les interfaces de 8 jusqu'à 24, on devra toutes les mettre shutdown. Madame. Oui. Donc, après avoir changé le VLAN natif, on a rendu 4. Donc, même l'autre port, on va configurer le VLAN natif sur 4 parce qu'il était sur 1. Oui. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, on n'est pas qu'il n'y a pas de VLAN. Il faut que les deux aient le même ID VLAN qu'on a créé. Bon. Donc, on doit le faire manuellement sur tous les modes. Oui, de... manuellement, oui. Voilà. Alors, il y a aussi une commande, par exemple. Bon, on va rétablir le VLAN 1 par ici. Bon, soit on le rétablit, soit on peut le garder. Alors maintenant, au niveau du port agrégé, donc qu'est-ce qu'on a dit ? Que le port agrégé, il véhicule tous les VLAN. On peut faire en sorte que, par exemple, au niveau de ce port agrégé, qu'il puisse véhiculer uniquement quelques VLAN. Donc, interface fast Ethernet 0/3, donc celui-là, donc il est en mode agrégé, pour faire en sorte qu'il ne véhicule uniquement quelques VLAN, donc la commande c'est switchport, switchport trunk allowed VLAN, et ici on met les identifiants, par exemple si je mets switchport trunk allowed VLAN 2 veut dire que ce port agrégé ne va véhiculer uniquement les trams qui sont entre les VLAN, les PC appartenant au VLAN 2. VLAN 3 ne sera pas transporté, et donc par exemple le ping entre PC 1 et PC 4 qui est ici, qui font partie du VLAN 3, ne va pas marcher. Si je veux qu'il y ait plusieurs VLAN qui sont autorisés, je peux mettre uniquement 1,3,4 comme ceci. Si je veux un seul, maintenant, il y aura uniquement le VLAN 2 qui sera en mesure de communiquer. Si on va le tester. Alors, on a VLAN 2, ça a marché. Et VLAN 3, ça ne marche pas. Parce que le port agrégé en question ne véhicule plus les trams que s'échangent les équipements du VLAN numéro 3. Donc, on peut aussi ici spécifier quels sont les VLAN qui sont transportés. Si on ne met pas cette commande, veut dire que tous les VLAN qui ont été créés au niveau du commutateur pourront être échangés au niveau de la topologie. Donc on va enlever cette... Madame. Oui. Maintenant, si les VLAN 3 et les natifs VLAN et qu'on n'a pas fait à l'out, ça va véhiculer aussi. Oui. Par défaut, ça véhicule le tout. Mais si on veut être précis, on peut dire que je veux uniquement véhiculer VLAN 2, VLAN 3, VLAN 2 et VLAN 3, etc. Pour avoir plusieurs VLAN, j'ai dit qu'il faut mettre uniquement des virgules. Alors, je voulais dire, si on n'a pas mis pour VLAN 3 et l'autre, et qu'il est les VLAN natifs. Je n'ai pas compris. Pour les VLAN natifs. Oui. Si on ne met pas et l'autre, ça va les véhiculer aussi. Oui. D'accord. Alors, on va un peu reparler des modes de VTP. Alors, comme j'ai dit, le mode serveur, il permet... Madame. Oui.
Concernant les VLAN par défaut, si on ne les permet pas, est-ce qu'ils seront véhiculés? Non. Comme quand j'ai mis ici 2, ça sera uniquement le 2, ni le 1, ni le. Même les autres par défaut, 1002, 1003, 1004, 1005. Donc, au niveau de cette commande, on spécifie uniquement les VLAN qui sont autorisés. Mais si on ne la met pas, ce sera tous les VLAN qui seront autorisés. Pas la peine d'autoriser le VLAN natif parce que c'est pas communiqué, mais tu dois laisser passer les packs, non. Oui, mais ça peut aussi avoir. Il peut y avoir des PC qui appartiennent à ce VLAN. Il peut y avoir ici, par exemple, un autre PC, Access VLAN 4. Au VLAN natif. Oui. Mmh. Oui, ça se peut. Mais c'est pas une bonne façon de faire. Mais sinon, c'est faisable, puisque c'est un VLAN. Et c'est un VLAN qu'on a créé, donc on peut aussi faire comme on veut. Alors, je parlais des modes VTP, donc serveur et client. Pour le serveur, c'est au niveau du mode serveur, au niveau de ce commutateur, on peut créer un VLAN, on peut supprimer un VLAN et on peut aussi modifier un VLAN. Et on peut envoyer les messages VTP aux autres commutateurs auxquels on est lié. Et au niveau du mode VTP serveur aussi, on peut se synchroniser avec d'autres commutateurs. Le client, il ne peut ni créer, ni supprimer, ni modifier un VLAN, mais il peut recevoir les messages VTP du serveur et les traiter bien évidemment. Pour le mode transparent, il permet aussi de créer, de supprimer, de modifier des VLAN, mais uniquement localement. Ça veut dire que, par exemple ici, le commutateur il est configuré en mode serveur. Si je change son mode de configuration, si j'opte pour un VTP mode transparent, maintenant il n'est plus serveur, il est transparent, et que je crée un nouveau VLAN, qui est par exemple le 88, le VLAN 88 qui a été créé au niveau d'un VTP mode transparent ne pourra pas transmettre les autres VLAN. C'est vrai que le mode transparent il permet de créer, modifier et supprimer, mais uniquement localement. Ça veut dire que tout ce qui se passe ici à partir du moment où il est devenu transparent, il ne va pas transmettre toutes ces modifications aux autres clients. On peut le voir ici. Par exemple, si on affiche la liste de tous les VLAN existants, Show VLAN, vous avez le VLAN 88 qui n'a pas été transmis. Donc voilà à quoi sert le mode transparent. Même chose ici, il n'y aura pas le VLAN 88. Mais si on rebasse... Madame, oui. Vous pouvez répéter par rapport au mode transparent. Alors, VLAN serveur, mode serveur. Dès qu'on crée un VLAN, dès qu'on modifie un VLAN, dès qu'on supprime un VLAN, les clients vont recevoir la liste de tous les VLAN qui sont présents au niveau du serveur via des messages VTP. Parce que le serveur, il peut créer, supprimer, modifier et transmettre l'information. Le mode transparent, il peut créer, modifier et supprimer, mais il ne transmet pas. C'est-à-dire que toutes ces modifications, elles restent locales. Regardez, ici j'ai créé le VLAN 88 après avoir activé le mode transparent. Quand j'ai basculé vers l'autre commutateur, donc si c'était toujours resté en mode serveur, j'aurais eu ici le VLAN 88 qui a été envoyé. Mais puisque c'est en mode transparent, ça veut dire que je n'envoie pas les mises à jour que j'ai faites au niveau du commutateur. Mais le client ne peut pas créer, modifier ou bien supprimer. Le client, il est juste fait pour recevoir. C'est un peu plus mal. Modifier, supprimer quoi? VLAN. Je supprime un VLAN. Je modifie le nom d'un VLAN. J'ajoute un VLAN. Okay. Voilà. Ah, ok. Donc, en mode transparent, on modifie le VLAN. Oui. Mais ça a le même. Il fait le même travail que le mode serveur, sauf que il propage pas la configuration. Ça reste local. C'est-à-dire qu'il y aura uniquement ce commutateur qui aura en plus le VLAN 80. Mais si je reconfigure Hada en mode serveur et je crée par exemple un autre VLAN, le tout va être propagé, même VLAN 80.
Okay, je vois. Madame, il n'y a pas de problème de communication s'il n'y a pas le même VLAN sur le switch. Non. Par exemple, au niveau de ce switch, il ne faudrait pas qu'il y ait des équipements qui sont reliés au VLAN 80. Parce que dès qu'ils sont reliés en mode accès au VLAN 80, le VLAN est créé par défaut. Si vous faites un switch port access VLAN, un ID que vous n'avez pas créé, il vous dit qu'on va créer le VLAN de manière automatique, sans lui donner de nom. Mais il se peut qu'au niveau d'un commutateur, il n'y ait pas tous les VLAN qui sont utilisés. Là intervient aussi la notion de VTP pruning, si vous l'avez vu au niveau du TP. VTP pruning, ça permet, c'est une configuration à faire qui permet d'économiser la bande passante. Par exemple, si j'ai, on continue dans cet exemple, là j'ai un équipement qui est relié au commutateur en mode accès au niveau du VLAN 80, et ici je ne l'ai pas. Donc là, le VTP pruning va permettre de ne pas envoyer les mises à jour concernant le VLAN 80. Pourquoi ? Parce que le commutateur HADA, il sait qu'au niveau de l'autre commutateur, il n'y a pas un équipement qui est relié au niveau du VLAN 80. Et donc ça va permettre d'économiser la bande passante. Sauf que la commande, elle ne marche pas au niveau de packet tracer. Regardez, si on tape, normalement c'est VTP pruning. Elle ne marche pas. Elle est au niveau de votre TP. Voilà, il n'y a pas. Même VTP, et si on met un point d'interrogation, on n'a pas pruning. On a juste domain, mode, password et version. Vous voyez ? Mais comme information en plus, si on configure cela, ça va permettre de ne pas envoyer des messages au niveau de commutateurs concernant des VLAN qui ne sont pas présents au niveau des 10 commutateurs. Donc ça va permettre de ne pas envoyer des messages inutiles. Alors, aussi, les messages VTP, ils ne se propagent uniquement au niveau d'interface agrégée. Donc, les messages VTP, ils ne peuvent pas être propagés au niveau de ports qui sont configurés en mode accès. Ça, c'est une propriété de VTP. Aussi, VTP, il gère la plage normale, c'est-à-dire qu'il peut propager les VLAN qui ont pour identifiant de 1 à 1005. Donc, comme j'ai dit la fois passée, il y a la plage normale et la plage étendue. La plage normale, c'est pour les petites et moyennes entreprises. Pour la plage étendue, c'est pour de très grands réseaux. Pour VTP, ce protocole-là, il ne propage que les VLAN qui appartiennent à la plage normale. Pour qu'il y ait propagation de la plage, étendue, il faudra créer carrément les VLAN un par un au niveau des commutateurs. Donc, il n'y a pas ce moyen de propager de manière automatique les VLAN. Donc voilà pour la petite parenthèse concernant VTP. Maintenant, je vais vous poser une question. Donc, si on est au niveau de cette topologie, supposons que toutes les communications ont été faites au niveau de tous les équipements, quel serait le contenu de la table ARP de PC0? Madame. Oui. J'ai une question peut-être parce que je peux rester pour une minute. On a deux switches avec par exemple switch 1, VLAN 1 et 2, et switch 2, VLAN 3 et 4. Il y a 4 VLAN. On fait les modes 30 contre eux. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas le même nom de VLAN, c'est ça? Ça ne sert à rien, oui. Ok, c'est bon. On peut le mettre redans, par exemple dans le futur, on opte pour créer le VLAN au niveau de l'autre commutateur. Il doit avoir le même. Il y a le même corps. Okay. Oui. Alors, quel est le contenu de la table ARP de PC0? Voilà, exactement. Donc, ça va contenir PC2, PC5 et la passerelle. Quel serait le contenu de la table ARP du routeur? Pendant que vous réfléchissez, moi je vais faire tous les pings possibles. On va vérifier.
ARP-A. Et au niveau du routeur, donc show ARP, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oui, exactement. Donc ça va posséder tous les... Donc c'est que ça serait quoi la différence si on avait une vraie topologie physique, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs réseaux reliés à plusieurs interfaces. Donc qu'est-ce qu'on avait l'habitude d'avoir au niveau de la table ARP du routeur? Prochain saut, on parle de table ARP ici, pas de table de routage. Alors, j'ai dit quel est le contenu de la table ARP au niveau de cette topologie. Vous m'avez répondu que ça contient tous les hôtes. C'est correct. J'ai dit quelle serait la différence si on avait une topologie normale, c'est-à-dire qu'on n'avait pas des sous-interfaces ici, mais on avait, puisqu'on a deux VLAN, maintenant on a un routeur, plus un réseau ici et un réseau ici. Et ici on a trois PC et ici on a trois PC. Quel aurait été le contenu? Non? Il y a une chose qui est en plus. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait en S1? Table ARP du routeur, elle contient quoi? Elle contient les équipements qui sont reliés au niveau des réseaux qui sont directement connectés. Oui, non, oui. Oui, ça contient l'adresse MAC et l'adresse IP, mais je parle en termes de lignes. Un routeur qui a deux interfaces, au niveau de ces deux interfaces, on a des PC. Donc la table ARP va contenir tous les PC plus les interfaces du routeur. Les interfaces du routeur sont présentes au niveau de la table ARP, chose qui n'est pas au niveau... Voilà, ici ce sont des interfaces logiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Voilà. Donc, si on avait un réseau normal, on aurait eu ici plus deux interfaces. La 0/0.1 et la 0/0.2. Mais comme ce sont des interfaces qui sont logiques, donc, elles n'ont pas des lignes propres à elles. Voilà. Donc, on a terminé le TP VLAN en entier. Est-ce que vous avez des questions? Madame, j'ai dit qu'il sert à économiser la bande passante. C'est-à-dire que si on a deux commutateurs dont l'un ne contient pas un port en mode accès pour un VLAN, pas la peine de lui envoyer des messages concernant ce VLAN. C'est comme par exemple quand vous étiez en train de configurer le routage RIP et vous étiez en train de configurer au niveau du routeur, on n'envoie pas les messages de routage pour les interfaces qui sont reliées à des équipements terminaux. C'est à peu près la même chose. Pas spécifiquement. On aurait pu le connecter à un autre commutateur, même client, il n'y a pas de problème. Ici, ce qui est en serveur VTP et client VTP, c'est juste la propagation des VLAN, mais sinon c'est la même chose. Oui, juste pour l'optimisation. Mais cette commande, elle ne marche pas au niveau de paquet traceur. Comme vous l'avez vu, quand je tape VTP, point d'interrogation, je n'ai pas le mot pruning. Il existe au niveau du TP, si vous avez vu le TP, mais sinon, cette commande ne marche pas. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous envoie l'enregistrement. Alors, la fois passée, je m'excuse, j'avais pas activé mon microphone, donc j'étais pas en train d'enregistrer ma voix. Bon, cette fois-ci, c'est réglé. C'est pour ça que j'avais mis deux vidéos. Une pour la séance, il n'y avait pas de voix, et l'autre, j'avais réexpliqué tout ce que j'avais dit au niveau de la deuxième vidéo. Mais pour cette fois-ci, il y a le son
du micro qui est activé aussi. Donc, je vous envoie l'enregistrement plus la liste de toutes les commandes qu'on a utilisées. Donc, je vais vous envoyer un fichier mis à jour, donc le même que celui de la fois précédente, sauf qu'il sera mis à jour. Il y aura des commandes en plus concernant le routage intervénal, par exemple, et toutes les commandes qu'on a vues. Donc, la prochaine séance, c'est la semaine prochaine. Donc, normalement, c'est dimanche. On peut revenir vers les dimanches. Et on va commencer le deuxième TP. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou là par mail, vous pouvez me les poser. Et si vous avez même des questions en rapport avec vos autres modules, je peux aussi vous répondre. Parce que j'ai fait le même master que vous. Donc, si vous avez n'importe quelle question, je suis prête à vous aider. Merci à vous et bon courage et sahaf tolkom.